What was it like to play a Disney character? Et cette question, déjà, c'était pas pour moi, puisque je suis pas un personnage Disney. Donc tout d'un coup, mais t'as fini par devenir, elle fait « oui, mais je l'étais pas ». Même si, avec mes parents, tout ça, j'ai fait toutes les recherches toute ma vie sur les personnages Disney. Donc je vais plutôt laisser les autres répondre. It was great. I was delighted to get to play a Disney villain, so I was much happier to be a villain than a prince. So I think, yeah, who doesn't love Disney stuff? So it was a great experience. C'était chouette, et plus particulièrement de jouer un méchant dans les Disney. Jouer un méchant Disney, pour moi c'était vachement plus sympa que de jouer un prince, donc ouais, c'était une belle expérience. Avec Robert Carrel,
c'était plus vraiment la manière dont nous, on interprétait les choses sans avoir fait de recherche derrière. Par contre, quand elle est devenue régulière, puisqu'au départ elle avait vu quelques apparitions, et quand elle est devenue personnage plus important, là, même si la production lui avait dit de ne pas faire de recherche, elle a quand même commencé à regarder le film et tout, pour voir si elle était éloignée du personnage, ou pour essayer vraiment de comprendre la dynamique. Donc c'était assez intéressant de passer de l'un à l'autre. I had to be Elsa. I had to be Disney's Elsa. No interpretation, no room for movement. I got flown in, they put me in the costume. I had head of Disney had to approve me. I had many people watching me. Is she okay? Is she going to ruin Elsa? What is she doing? Cut, cut, cut. Georgina, stand up straight. You can walk better. Okay, so yeah, I had to do perfect Elsa from the cartoon, and then I had to bring my own emotions and humanity to, that's where I got to bring my interpretation, was to her inner life, but not to her outer life. Yes. I had to do it through all the levels, from the very top of Disney all the way down, because Elsa was a very important franchise. Frozen 2 hadn't come out yet, so they were very protective of Elsa as a commodity. Georgina disait, en fait, contrairement à l'expérience qu'a eu Emily, Georgina, c'était tu dois être la parfaite réplique d'Elsa dans le dessin animé. Il n'y avait aucune place à l'interprétation, il fallait vraiment que ce soit exactement comme elle est. Et dit, en plus, on avait des gens très haut placés de Disney qui étaient là pour vérifier. Ils étaient là, mais ça va, elle ne va pas nous brûler, elle va pas dominer le personnage d'Elsa, est-ce qu'elle va bien faire comme il faut. Couper, Georgina, marche droite, tiens-toi tout droit, c'est comme ça que tu dois être. Parce que c'est une franchise, la Reine des Neiges, c'est vraiment une franchise hyper importante pour Disney. La Reine des Neiges 2 n'était pas encore sortie, donc ils sont vraiment très protecteurs avec le personnage d'Elsa. Elle dit le seul moment où elle a pu y mettre de sa propre interprétation, c'est quand elle passe dans le monde réel. Mais quand ils sont dans le monde enchanté, là c'était strict et aucune place pour le reste. Hello everyone, thank you so much for being here. It means a lot for me to be here because 10 years ago I came to Paris for my first ever convention. So it's I think it was an honor and a privilege to play a character that everybody knows and loves the world over. And I think what Emily was saying was really nice. A lot of the creators gave us a lot of creative freedom with the characters and really allowed us to put our own take on it. So it was really nice to have that. Déjà, premièrement, merci à tous. Merci à toutes d'être ici. Surtout pour lui, il dit il y a 10 ans. J'étais à Paris et c'était ma toute première convention, donc c'était quelque chose d'être là de retour. Et oui, c'était super d'interpréter un personnage de Disney, surtout la liberté qu'ils ont pris autour de l'écriture de Peter Pan. Ils sont partis complètement, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Disney, donc interpréter un personnage comme ça, c'était vraiment super. All the weirdness.
weirdness and the oddities of Ingrid were... I did that. So I loved it. And watching you be so perfect, it was so lovely to be imperfect. So I had a great time. That's how I felt about it. It was fantastic to be part of the Disney world. And my son was. That makes it really Déjà, je suis hyper contente, contente d'être ici, surtout que c'est ma toute première fois et de voir tous vos visages. Elle dit que pour moi, c'était une super expérience de faire partie du monde Disney, des personnages Disney, et surtout d'être aussi imparfaite quand je voyais ta perfection, elle dit à Georgina. Et elle dit, ouais, c'était génial d'avoir aussi cette liberté-là, et c'est une super expérience, donc je suis très heureuse de l'avoir vécu. Good morning, everyone. Hope you're well. I think no one really knew what my character was. I still don't know. I know I was a son of Rumpelstiltskin, one of many. And I just got to muck around with a sword and a bit of a cloak from time to time, but I had no idea who he was. And it was fun to explore that, really, and work with Robert. I loved working with him, it was good. Same with them, you know, family unit. But yeah, I had a free blank page just to create. But I just enjoyed that. That's about it. Alors pour ma part, j'avais aucune idée de qui j'étais. D'ailleurs, je sais toujours pas qui j'étais. Je sais juste que j'étais un des nombreux fils de Rumpelstiltskin. Sinon, il y en a eu tellement. Que des fois, j'avais une épée. Des fois, j'avais une cape. Après, ce que je faisais, j'en sais rien. Qui j'étais. Mais du coup, j'ai adoré cette liberté. D'action, puisque j'avais pas d'idée de ce que c'était. Par contre, le plaisir que c'était de jouer avec Robert Carlyle, ça c'était vraiment une super expérience d'être avec lui. Il dit en fait, clairement, mon personnage, j'étais une page blanche. Et du coup, ça permettait une créativité sans bornes.